Je suis venu ici pour me conforter et me rassurer encore plus. Je vois l'évolution de la flore qui évolue différemment, gain de volume et de qualité. Mon objectif, c'est faire du conseil, de la formation et au quotidien de la recherche agronomique. Je base mon travail essentiellement sur des expertises de sol en descendant à 2 mètres. Ça permet, quand on ressort des fosses, d'avoir une appréciation correcte du niveau biologique, physique et chimique de la terre, de pouvoir faire un diagnostic et après de pouvoir faire un conseil qui soit pertinent. On est utilisateur donc du bactériosol depuis une trentaine d'années. Les jeunes, c'est l'avenir et c'est bien qu'ils s'intéressent à ce produit. J'ai travaillé pendant 44 ans dans la nutrition animale. J'ai rencontré la SOBAC d'abord par rapport à mes éleveurs. Je remarquais que les éleveurs SOBAC avaient toujours 3% à 4% de plus de digestibilité. On a trouvé une grosse amélioration au niveau des sols et de la qualité des fourrages. Tout part du sol, quoi, de la plante. Et après, une fois que tu as un sol correct et une plante qui est correcte, ton troupeau, normalement, ça suit. Et c'est vrai qu'on voit vraiment, c'est assez incroyable, quoi. C'est un sol qui marche, qui est assez autonome, qui marche de haut en bas, quoi. Je ne suis pas utilisateur pour l'instant de produits SOBAC, mais c'est vrai qu'il y avait de bons résultats et tout ça, donc j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Et on a eu deux ateliers très enrichissants et avec des intervenants vraiment super. Donc ça a été une journée très constructive. Eh bien qu'on oublie facilement les bases de l'animal, de nous aussi par rapport à la façon qu'on doit faire. Les sols sont beaucoup plus aérés. L'expérience des personnes, tout ce que les personnes peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu réellement, la couleur de la terre. Les profils de sol nous ont montré que les produits étaient efficaces. C'est quand même des journées qui sont intéressantes au point de vue technique et en plus il y a de la convivialité et du coup ça aide tout le monde à évoluer, je pense. Je voulais remercier tout le monde pour la journée, une belle participation de la part à la fois des éleveurs qui nous ont accueillis et de tous les éleveurs qui sont venus, utilisateurs, non-utilisateurs. Et voilà, on a pu aborder la question de façon assez large sur la nutrition, sur les sols, sur la rentabilité globale. Et voilà, il y a eu beaucoup d'échanges et je remercie tout le monde pour cette bonne humeur.